Notre cagnotte est à 438 000. Prochaine cible, donc les Plénosas. En plus, ils sont devenus vieux, on peut aussi les user facilement, les tuer facilement. Et le fils, alors est-ce qu'on les tue d'épuisement ou on les tue autrement les... Eh mais en plus, ces canicules, on peut les tuer tout de suite. J'ai une idée. Je vais les tuer de étouffer avec la chaleur et tout, avec la canicule. Mais on va rester qu'avec le fils. On va essayer de tuer le fils différemment. Là, on va quand même se taper Nancy, histoire d'eux, hein, qu'on n'a pas fait tous ces efforts pour rien. Donc, même si c'est pas grave, lui, il est pas loin. Hein. On s'en fout. On va partager un secret, à dire... Tu sais que... Tu es magnifique malgré ton âge. Et que moi, j'ai la culotte qui mouille, toute seule. Là. Bon, quand est-ce que tu l'embrasses, là? Oui, premier baiser, ça y est. Parce que comme il fait super chaud ici, ça va être super simple. Eh, va bosser en vrai. Va bosser, parce que comme ça, tu verras pas ta femme te tromper. Ou presque pas. Voilà, genre, lui, va bosser, il croise juste sa femme. Il dit, ouais, qu'est-ce qui se passe, elle va faire un truc, ok. Comme ça, lui, pendant qu'il bosse, déjà, il va nous faire gagner un peu de sous. On va arriver au demi-million, là, hein, quand même. Oui, c'est vrai, ça avait cramé la dernière fois. Oh, 13 000! Non, faut pas déconner. Alors, Nancy, on va faire crac-crac avec toi dans le lit. La 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 la. Augmentera sa notoriété, sa réputation et sera licencié. Bah non, on ignore les documents. On a besoin d'argent. Hein. Et chaque petit simflouze peut faire grimper la cagnotte. Hein. Alors, et lui? T'as une copine? Il connaît personne d'autre que ses parents et Maze. Il est jamais sorti de sa vie ou quoi, le gars là? Oh, le gars là? T'as un taf? Tu fais quelque chose? Non? T'es aînée publique? Bah c'est cool. Elle va devenir adulte. Je suis Keiko. Dormira. Ici, en plus, on avait piqué plein de lampes. Hein. Donc, la valeur de la maison est un peu moindre, mais pas grand chose parce qu'on avait piqué toutes les lampes. Toutes les lampes qui étaient. On avait piqué des tableaux aussi, je sais plus. On avait piqué plein de trucs. Ah, si on avait su qu'on irait y habiter. Hein. D'ailleurs, ça me fait penser que on n'est toujours pas à l'arbre à Simflouze. Quelle tristesse. Ah, Geoffrey! J'ai pas vu combien t'avais gagné. Ah, lui, il est top sexy moot. Hein. Les cheveux gris, les sourcils et la moustache blonde. Comme dans sa jeunesse. Il va essayer de discuter avec son fils. Oh, mon fils, maintenant que je vais mourir. Quel est donc ton... Hein? Qu'est-ce qu'il dit, là? Rejeter les méthodes malveillantes, non. Il va s'intéresser à son fils, il va lui léguer tout son... Est-ce qu'on le tue tout de suite, Geoffrey? Ils ont tous des machines de sport chez eux, on peut tous les tuer avec l'épuisement. C'est souvent quand on se rapproche de la mort, on essaye de... Ah bah quand même, tu te balades en tenue comme ça, toi, t'as pas honte, Nancy? Son mari va dire... Qu'est-ce que t'as foutu, toi? T'as des chaleurs pour te balader comme ça? Bah ouais. Bon, Geoffrey, tu sais pas quoi faire de ta vie, tu t'es réconcilié avec ton fils. Tu vas aller mourir, alors. Et Nancy aussi. Moi, on m'a dit, tu tapes la mère. Je l'ai fait. On habite la maison sans se marier. Maintenant, on va se débarrasser. Tu vas te changer de tenue. Tu vas te mettre ta tenue d'hiver. Ah, la vache. Vas-y. Non, discute avec ton mari. C'est là qu'ils ont plus du tout chaud non plus, que ça va être un enfer. Oh non, puis c'est la fin de journée, mais c'est pas drôle. C'est plein de la taille du téléviseur. Mais qu'est-ce que t'es matérialiste, ma chère? Quelle tristesse. Je suis choquée. Déçue. Choquée. Hein? Franchement, là. Nous, on a de l'argent, là. Ça veut dire quoi, ça? Tu m'aimes pas, tu m'achètes un télé... comme cinéma. Mais tu crois qu'on a de la place, nous? Notre maison, elle a des fenêtres partout. Franchement. Tu veux mettre ça où? Un grand écran? C'est vrai qu'elle a des fenêtres un peu partout. Des grosses fenêtres. Ah si, elle a chaud. Viens ici, toi. Nancy, elle a ses chaleurs. C'est la ménopause qui parle, elle a ses chaleurs. À bientôt. Mourir d'amour. Lui, non, il a pas chaud. Hein. Rien à foutre, hein. Tu meurs? Elle a plus chaud. Mais pourquoi? Allez, vous asseoir et discuter dans le jardin s'il fait chaud dehors. Sinon, on est obligé de remettre ça demain. Oh la vache! Il s'est passé quoi ici? Meurt de chaud! Yes! 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 Il meurt de chaud! Oh, il meurt de chat! Meurt de chaud. La 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 la
Ils vont crever de chaud, les deux vieux dans la nuit. On ne dira pas qui s'est passé par ici. C'est Mace Queen qui les a trucidés. Tout ça pour du pognon, vous n'avez pas idée. Hey, c'est Mace Queen qui les a trucidés. Avec de Nigeri de Fougou, elle n'a pas réussi à les éliminer. C'est pas vrai, elle, elle y est pour rien. Elle y est pour R. Elle, elle joue à l'ordinateur, elle sait pas de quoi vous parlez. Elle a pris un... elle adore dormir. Elle a pris un bain. Et puis finalement, elle a joué à l'ordi. Elle dort. Mourez, vieux qui pue. Ah. Ah. Le soleil vient de se lever et vous allez donc étouffer sous vos grosses fringues d'hiver et la vie va vous quitter. La vie donc va vous quitter et vous allez crever. J'espère. Allez. Non. 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 Oui. Oui. Mais non, Malcolm, viens pas là, tu vas être trop mat. Va aux toilettes, Malcolm. Je veux pas que tu vois ça. Chaleur fatale, fallait pas les couvrir trop. En plein d'un été quand il fait chaud. Car on était sur la route de crever de chaud. Je n'ai pas eu le doute en me mettant mon manteau. Je n'ai pas eu la route pour crever de chaud. Ah, si seulement j'avais pu lire. Oh, que c'était 100% laine. Oh, j'arrête pas mes chansons à la con, moi. C'est merveilleux. Allez, mais crevez, bande de f... Malcolm, s'il te plaît, va nettoyer ta salade. Je ne veux pas que tu vois tes parents crever. Ta mère, elle va y passer en proms, par contre, hein. C'est sûr. Et lui, il est obsédé. Il veut absolument aller se laver. Mais quand est-ce qu'il crève? C'est incroyable. C'est résistant, les vieux, hein, quand même. Oh, ça avait des années de vie, des années de vie pour résister comme ça. Ils sont longs à mourir de chaud. Ah, ça y est. Oh oui. Vous êtes prêts pour le doublé? Le doublé de mourage de chaud. C'est pour Nancy et... Geoffrey Plenosas, finalement ils n'auront pas succombé. Ah ouais. Ah ouais. Ah oui. Ah oui, quelle belle doublette. Magnifique. Magnifique. Fic! Nancy Plenosas a sûrement brûlé l'étape consistant à se rafraîchir. Elle est en train de mourir à cause d'une chaleur excessive. Bienvenue dans le quartier! Pardon? Passe un très mauvais moment. Préférence de Maze? Mais qu'est-ce que tu me racontes? C'est bien, tu vas hériter du pognon, Malcolm. Mais pourquoi t'es énervé, toi? J'ai pas compris. Ils sont où les voisins? Oh merde, les... La voisine, elle a des... Non, non, mais c'est pas nous, hein. On a rien fait, on joue à l'ordinateur. On était sur les Sims. Oui, on tuait des Sims. Et alors? C'est pas nous qui avons tué... Ils sont morts tout seuls, hein. Et ils reposèrent en paix, évidemment. Il va servir le brunch, des sandwichs BLT. Et comme ça, prochaine fois, vous déciderez de ce qu'on fait avec Malcolm, qui, lui, est dans la force de l'âge. Lui, il est plus jeune qu'elle. Oh, mais de toute façon, il y a encore Malcolm. Je ne raserai que quand lui-même sera... parti. Chut, faut pas lui dire qu'il va mourir. Je crois qu'il s'en rend compte là. Assister au décès. Mais ils sont déjà morts déjà. Regarde, il n'y a plus rien, il y a que des tombes. Oh, bichon. Tu vas pas me dire que tu... Hein? Alors, tu? Oh, va pleurer dans ton lit. Va louiller les draps pour une bonne raison. Exposer longtemps des Sims à des choses qu'il n'aime pas. Mais je crois qu'elle aimait pas les ordi. Elle n'aime pas les jeux vidéo. Merde. Et je lui ai fait jouer à plusieurs vidéos. Effectivement, je comprends mieux pourquoi elle était colère. Non, je sais pas de quoi vous parlez. Ils sont partis en croisière, en fait. Oui, oui, les Plenosas sont partis en croisière. Oui, bien sûr. Évidemment. Ah bah, la faucheuse. La faucheuse, elle mate un film. Il est bien, ton film, Fauchy? Oh, ouais. Ouais, je suis d'accord. Oh là, en plus, il y a des scènes de Huck. Maze, à l'aube de son anniversaire, a déjà tué 8 Sims.
8 cimes sont succombées à sa cruauté. Mais souvenez-vous de cette belle petite Maze, imperturbable devant son écran. Sulani lui semble loin. Elle a trouvé quelque chose de beaucoup plus lucratif pour son rêve. Celui de louer des amitiés, celui de séduire, celui de voler l'argent des autres et de réduire en néant des vies. On va s'arrêter là. On se retrouve avec Malcomics, qui pleurouse. Plein de petites tombes dans notre inventaire. 8 tombes. Et on sait déjà, ou presque, vers qui on va se tourner pour les prochains. Oh putain, Vladimir, il est devenu vieux. Oh bordel à coup. Est-ce qu'on fera les gothiques? Est-ce qu'on ira à Del Sol Valley pour notre amie Octavia? Ah ciao, bonsoir. En tout cas, c'est là-dessus qu'on finit. Et la maison des Plénosas est à nous. On en profitera avant qu'elle soit rasée de fond en comble et qu'on récupérera des millions. Enfin, peut-être pas. En vrai, je sais même pas combien elle coûte, la baraque, donc on verra bien ce que ça donne. Et ce sera donc pour la prochaine fois.